Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à l'heure du compte virtuel avec moi, Madame Kayla. Je suis encore à la maison cette semaine et il va peut-être avoir des petits garçons qui vont m'aider. Probablement parce que cette semaine, nous parlons et nous faisons de la magie. Oui, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais je suis capable de faire un peu de magie. Donc c'est ça, j'ai pas de tableau de fête cette semaine, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer et des histoires comme d'habitude. Donc je vais commencer tout de suite avec mon premier tour de magie. Celui-ci, vous avez besoin de quelque chose comme ça, une petite serviette ou n'importe quoi. C'est juste un qui est pas rien de spécial, c'est même de la maison. Et je vais essayer de faire disparaître des petits, si vous pouvez voir ça, pompons. C'est ça, dans ma petite serviette. Donc, pour commencer, on fait un trou dans le milieu. Il faut vraiment que tu fasses un gros trou. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais je fais un gros trou dans le milieu. Ensuite, je prends mes petits pompons et je les mets, oups, j'en ai perdu un, dedans le milieu. Il faut peser très fort. Correct, Tris. Merci, chum. OK. Là, on dit les mots magiques. Abracadabra, alakazam. Et là, les pompons devraient disparaître. Oh! C'est correct. Et juste comme ça, les pompons sont tout partis. Hein? Wow! Pour mon deuxième, Tristan, est-ce que tu veux venir m'aider? Oui. Tristan, c'est beaucoup pratiqué pour faire disparaître des crayons. Avant, on devrait-tu montrer notre baguette magique? La baguette magique qu'on a fait comme notre bricolage. Donc cette semaine de bricolage, on a fait des baguettes magiques parce que tous les magiciens ont besoin de ça pour faire de la magie. Donc, on a juste utilisé des choses qu'on avait autour de la maison pour fabriquer des baguettes magiques. Oui. Puis maintenant, Tristan va faire disparaître des crayons. Donc, nous avons des crayons qu'on a achetés. Ils sont toutes là, toutes les couleurs. La boîte est encore scellée. Puis là, Tristan, il va les faire disparaître. Abracadabra, abracadabra. As-tu marché? Oui, ça a marché. Quoi? Ils sont disparus! Ils sont où? Non, il est vide! Tu peux-tu les faire réapparaître? Pour vrai? Abracadabra, abracadabra. Ah, il faut tourner de bord. Là, qu'est-ce qui arrive? Wow! Ils réapparaissent! Bravo Tristan, merci pour ton tour de magie. Merci. Donc, pour mon premier livre aujourd'hui, c'est La boussole magique. Puis c'est écrit par Paul McCartney. Oui, le Paul McCartney. Et illustré par Catherine Durst. Puis c'est publié par Penguin Random House. Donc, allons voir la boussole magique. Lucy, Tom, Em et Bob passent le week-end chez leur grand-père. Ce jour-là, rien ne va comme il faut. Il fait gris, il pleut et tout le monde est d'humeur bougonne et s'ennuie ferme. « Souriez un peu, les canailles, » dit soudain papy.
et il sort un tas de cartes postales de la poche arrière de son pantalon. Regardez ce que j'ai trouvé! M attrape une carte qui représente une plage de sable bordant une mer d'un bleu vif et scintillant. Si seulement nous pouvions aller là-bas, papy, dit-elle. Voyons ce que nous pouvons faire, répond papy. Il plonge sa main dans la poche de sa veste et en sort une boussole étincelante. Puis il la frotte et la jette au-dessus de la carte postale. L'aiguille se met à tourner à toute allure. Regardez l'aiguille de la boussole qui tournicote et laissez agir la magie rigolote. Et soudain, dans un flash de magie, paf, boum, pshh! Les voilà dans un nouveau décor. Les enfants et papy sont sur une plage dorée des petites vagues leur chatouillent les pieds. L'eau est merveilleusement fraîche. Nous sommes sur la plage de la carte postale, s'écrie Bob en riant. Il se précipite dans la mer en faisant des grandes éclaboussures. Mais la boussole magique leur réserve encore bien des surprises. Des poissons volants géants jaillissent de la mer. « Bonjour, papy! » dit-il. « C'est un banc de poissons volants, » explique papy. « Allons faire un tour, les canailles. »« Un banc comme à l'école? » s'inquiète Tom. « J'espère que nous n'aurons pas de devoirs à faire. » Perchés sur le dos des poissons volants, les enfants volent au ras des vagues bleues miroitantes. De retour sur la plage, ils construisent des châteaux de sable, puis s'allongent sous un cocotier pour déguster des glaces. Ils sont heureux et ont complètement oublié leur début de journée grise et roncheux. Quand soudain, « Aïe! » crie Bob. Un petit crabe file à toute vitesse devant eux. Ce crabe m'a pincé l'orteil! Oh non! Tout à coup, plein de petits crabes apparaissent et se précipitent sur papy et les enfants. Hey, papy, dit M. Et si nous trouvions un endroit un peu moins... pinçant? Tu as raison. Allons-y, répond papy. Et aussitôt, il agite la boussole magique au-dessus d'une autre carte postale sur laquelle on voit un cowboy. Regardez l'aiguille de la boussole qui tournicote et laissez agir la magie rigolote. La magie pétille et scintille. Et une fois de plus... Les voilà dans un nouveau décor. Papy et les enfants se retrouvent maintenant au milieu d'une vallée couverte de cactus. Un cowboy arrive au galop sur un splendide cheval taché. « Bonjour, papy! » dit-il en agitant son chapeau. « Quel magnifique Appaloosa! » s'écrie papy en admiration devant le cheval. Un Appaloosie? C'est un M. Mais non, c'est la race du cheval, lui explique Lucie. Ça n'a rien à voir avec moi. Papy siffle et cinq autres étalons les rejoignent au galop. Il aide chaque canaille à s'installer sur un cheval et s'élance tous ensemble dans la vallée. Youpi! S'exclame Bob. Plus vite, s'impatiente Lucie. Mais qu'est-ce que donc que ces nuages de poussière à l'horizon? Oh non, un troupeau de bisons sauvages fonce droit sur papy et ses petits-enfants.
Le bruit de centaines de sabots résonne dans tout le canyon. Alors qu'ils sont sur le point de s'enfuir, le cheval de Tom, apeuré, se cabre et les propulse à terre. « Tiens bon, Tom! » lui crie Papy, qui détache une corde de la selle du cowboy. D'un coup de lasso, il attrape son petit-fils et les hisse devant lui sur son cheval. « En avant, les canailles! » lance Papy. « Filons aussi vite que l'éclair! » Ils échappent de justesse à la charge des bisons. « Hey, Papy! » dit Tom, tout essoufflé. « Et si nous trouvions un endroit un peu moins... fréquenté? » « Oui, bonne idée, » répond Papy. « Je crois que j'ai envie de calme et de fraîcheur. » Il sort sa boussole magique et l'agite au-dessus d'une nouvelle carte postale. « Regardez l'aiguille de la boussole qui tournicote et laissez agir la magie rigolote. » Avant même que les enfants aient le temps de regarder la carte, la magie pétille et scintille et un clin d'œil. Paf! Boum! Les voilà dans un nouveau décor. Ils sont au sommet d'une colline sous le soleil de l'après-midi. Les enfants rient et se roulent dans les prairies, de fleurs parfumées qui semblent s'étendre à l'infini. Papy prend sa fidèle guitare et fredonne une chanson. Bonjour, Papy! Meuglent quelques vaches amicales, accompagnant la mélodie du tintement de leur lourde cloche. Puis, Papy sort un petit télescope de sa poche et, chacun à leur tour, ils observent les cimes enneigées. Soudain, ils entendent un grondement. Oh non! Papy, regarde! Dit Lucie, l'œil collé au télescope. Un mur de neige gigantesque glisse depuis les hautes montagnes. Une avalanche! « Vite! Sautez les canailles! » hurle Papy. Échappant de peu à la vague de neige, Papy et les enfants bondissent sur le dos d'une des gentilles vaches. « Envole-toi! » lui crie Papy. La magie jaillit de la boussole en tourbillonnant et soulève tout le monde dans les airs de plus en plus haut. Jusqu'à ce qu'il soit en sécurité dans le ciel. Plus bas, l'avalanche continue de déferler. Les vaches suisses sont des animaux volants exceptionnels, affirme Papy. Parcourir le ciel sur le dos d'une vache volante est très amusant. Mais la journée a été vraiment longue. « Hey, Papy! » dit Lucie en bâillant. « Et si nous trouvions un endroit où on pourrait dormir? » répond Papy en riant. « C'est une excellente idée. » Il sort ses cartes postales et cette fois choisit celle qui représente sa propre maison. Boussole magique, encore un tour pour finir. Il est l'heure d'aller dormir. Papy agite sa boussole au-dessus de la carte postale et la magie pétille et scintille. Et alors... Paf! Boum! Pshhh! Ils sont de retour dans le salon de Papy. Mais la magie de la boussole agite encore. Grâce à un dernier éclat magique, les enfants sont aussitôt en pyjama, les dents brossées et les visages nettoyés, bien émoutiflés sous les couettes. 5 minutes plus tard, Tom, Bob, Lucie et Em sont profondément endormis. Wow. Et rêvant de leur prochaine aventure, regardez l'aiguille de la boussole qui tournicote et laissez agir la magie rigolote. Bonne nuit, Papy.
La fin. Donc maintenant, j'ai un petit truc pour faire disparaître de l'eau. Donc, pour vous montrer, j'ai une tasse et j'ai mis un peu d'eau dedans. Je vais m'assurer qu'il est vide. Vous voyez, juste un peu d'eau. Et j'ai une tasse, elle est vide. Rien de spécial. Et là, je vais remettre l'eau dedans. Comme cela. Dire des mots magiques. Abracadabra, alakazam. Et je vais faire disparaître l'eau. C'est prêt? Donc, si je verse doucement. Ah! L'eau est partie! Maintenant, je pense que je peux faire revenir l'eau. Donc là, la même chose, il faut que je dise les mots magiques. Abracadabra, alakazam. Et voilà, l'eau a réapparu. Un autre petit truc que je peux faire, puis ça fait longtemps que je peux le faire, puis mes enfants l'aiment beaucoup, mais là, c'est parti. Je peux enlever mon doigt. Hein? Il faut aller doucement, mais si je pense, je peux le tirer pour l'enlever. Et finalement, pour mon dernier truc, j'ai un chapeau. Et je vais faire apparaître un lapin dedans mon chapeau. Donc, de la magie dans mon chapeau, je vais sortir un lapin. Donc là, je vais aller voir. Un narval. Non, ça c'est pas supposé d'être là. Je vais essayer encore. De la magie dans mon chapeau. Je vais sortir un lapin. Ma plume! Non, c'est pas ça que je veux. De la magie dans mon chapeau. Je vais sortir un lapin cette fois-ci. Oh! Une tomate? Non, ça c'est pas supposé d'être là. De la magie, je vais sortir un... Oui, quand ça va vite. Un lapin! Ah! Voilà! Tu vois, je savais que je peux faire sortir un lapin. Finalement, j'ai une petite histoire de la neige magique. Et ça, c'est par Deidre Jill, puis publié par les éditions Scholastiques. Je pensais que c'est une bonne histoire. On a beaucoup de neige ici maintenant, donc j'ai choisi la neige magique. Dehors, tout est silencieux. La neige tombe doucement sur la maison. Dedans, un petit garçon s'ennuie. Alors, il enfile son manteau, met ses bottes, enroule un foulard deux fois autour de son cou et sort de la maison. Pouf! Il se laisse tomber dans la neige molle. Et regarde le ciel. Viens jouer dehors, dit-il à son frère. Mais son frère ne veut pas sortir. Alors, le petit garçon se met à faire rouler une boule de neige. Ça, c'est une bonne idée. Qui grossit de plus en plus. Quand il ne peut plus le faire rouler,
il commence à construire un bonhomme de neige, un gros bonhomme de neige. C'est un gros bonhomme, ça c'est un gros bonhomme. Il joue et construit encore jusqu'à ce que... son château soit parfait. Soudain, un dragon arrive. Ensemble, le garçon et le dragon volent au-dessus des arbres. Wow. Ça, c'est de la magie, hein? Et au-dessus de la maison. Ils survolent même le village. Le monde en bas semble tout petit. À la tombée du jour, le garçon sait qu'il doit retourner dans la forêt. Il est retourné dans la forêt. Et rentré à la maison. Mais pas avant d'avoir joué avec son frère. Dans la neige magique. Magique, c'est la magie. La fin! Donc, c'est tout pour cette semaine de mon petit art du conte sur la magie. Je vais vous revoir la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bye tout le monde!